Dans ce chapitre, nous allons voir les différentes catégories de gens qui sont. L'enfant et la naissance. Ce sont les premières générations de l'homme. 95% de leur énergie, telle qu'on sont, est transformée en chaleur. Les 5% sont convertis en lumière, ce qui les rend très gourmands. En tout cas, en tant que nous allons bien, elle fait à 30% plus efficace que l'enfant à la naissance. Et permet une économie de l'énergie à 100%. Nous avons par un petit doigt les lampes de feu compact. Les lampes de feu compact sont encore appelées les lampes basse tension. Ce sont des lampes traditionnelles. Elles ont une efficacité mise avec un temps de l'ordre de 60 à 75 lumières par watt. Ce qui les rend moins énergivores que les lampes à incandescence. Nous avons en 4 les lampes LED, qui est le vrai objet de notre étude. Elle est composée des LED, communément appelées en anglais lights et mini diodes. La LED est un composant électronique, transformant l'électricité en lumière. Leurs grandes forces sont dues au fait qu'elles permettent de produire de la lumière avec une très faible tension. Sans interruption plus chargée, nous allons voir la conclusion. Dans ce chapitre, nous avons étudié les généralités des différents types de lampes. Dans le chapitre suivant, nous verrons une étude sur les lampes plus complexes. Chapitre 2, étude des lampes de combat. Introduction. Les lampes de combat, ou simplement lampes basse consommation, sont des lampes qui sont caractérisées par une consommation d'énergie électrique nettement plus faible que celle des lampes à incandescence et à halogène. Ces lampes produisent très peu de chaleur, ce qui les rend moins énergivores. Foncièrement et construction. La lampe de compact est aussi appelée la basse consommation. Au niveau du tube, il y a un filament qui génère des électrons. Ce flot d'électrons parcourt l'intérieur du tube. Au niveau du tube, un filament génère des électrons. Ce flot d'électrons parcourt l'intérieur du tube, créant ainsi un arc électrique. Les électrons rencontrent ensuite un gaz contenu dans le tube, émettant de la lumière. Cette lumière verte à son tour une couche fluorescente à la surface du tube. C'est en ce moment précis qu'on peut parler de la lumière dans notre pièce. Nous avons une image illustrant la constitution de l'arbre du compas. Nous avons la gaffe inerte, nous avons la cône du mercure, et nous avons ici un ballast qui est composé d'un condensateur qui génère l'arc électrique. Il y a les différents types de lampes de compact. Nous avons les lampes de compact dithéphoniques. Nous avons les lampes de compact à culot à broche. Et nous avons les lampes de compact d'imam. Nous allons voir maintenant les avantages et les inconvénients des lampes de compact. D'attaque avantage et combien de lampes de combat. Nous avons les avantages de lampes de combat. Un allumage instantané. En deux, il y a une durée de vie bien longue que les autres ampoules à incandescence. Un rendement lumineux meilleur que meilleure qualité.
contiennent du mercure, un produit dangereux. Elles consomment peu par rapport au lait plein. Parfois, quand elles se brillent, elles se comportent un peu plus sucrées quand on ne les enlève pas dans le bruit. Conclusion. Dans ce chapitre, nous avons vu que les lampes fluorescentes compactes, ou plus simplement lampes basse consommation, sont des lampes qui se caractérisent par une consommation d'énergie électrique nettement plus faible que celle des lampes à incandescence et halogène. Ces lampes présentent cependant des inconvénients de comporter des substances telles aussi, telles que le mercure et le beryllium. À chapitre 3, nous allons voir l'étude des lampes LED. Introduction. Comme nous l'avons dit, la LED ou diode électroluminescente sont des lampes polyvalentes. Elle a été d'abord utilisée comme lampe témoin dans les appareils, par exemple nos chargeurs, quand nous prenons les chargeurs, quand nous pensons les chargeurs, il y a un voyant rouge, bleu, vert qui s'allume. Ce sont les lampes témoins. C'est le commencement des LED. Donc au début, elles étaient utilisées comme des lampes témoins. C'est au fur et à mesure du temps qu'elles se sont transformées pour augmenter leur puissance pour donner plus d'énergie. Fonctionnement et construction d'une lampe LED. Comme nous l'avons dit, la lampe LED ne possède pas de filament. C'est la raison pour laquelle la chaleur émise est bien moindre. Une lampe LED est constituée d'une puce LED montée sur un socle de perdeur. Le fonctionnement des lampes LED est basé sur la diode. Un semi-conducteur qui donne de la lumière lorsqu'un courant le traverse. Grand dame, nous allons voir les avantages des lampes LED. Nous avons un petit point, durée de vie plus longue qu'une lampe à incandescence ou fluorescente. Faible consommation électrique due à une bonne efficacité lumineuse. Un bon rendement. Faible production de chaleur. Pas de développement. Impact environnemental tel que les lampes se ressentent, liées notamment à l'absence de polluants comme le mercure. L'ampoule LED a de nombreux avantages qui rendent son utilisateur indispensable de nos jours. Elle est écologique car elle ne contient pas de mercure ni de gaz polluant. Elle se recycle facilement grâce à un circuit de recyclage spécifique. En B, nous allons voir les inconvénients des lampes LED. Nous avons le plus coûteux. Les lampes LED, bien qu'elles présentent des avantages, on dit que les lampes LED sont économiques, mais le processus de fabrication, dans la maison depuis l'usine, le processus de fabrication reste toujours énergivore parce que ça consomme de l'énergie. La même chose, les fonctions peuvent représenter un risque pour certaines personnes atteintes de maladies. Les gens qui nous allument chez nous peuvent avoir des effets qui passent sur des personnes qui ont des problèmes de vue. Comme les variateurs de lumière, potentiomètre. En C, nous allons voir les différents types de lampes. Nous avons les hublots plafonniers LED. Nous avons le projecteur LED. Nous avons le flexible LED. Nous avons les cloches LED UFO. Nous avons la borne lumineuse à LED. Conclusion, les bornes
homme d'éclairage. En conclusion, l'ère de l'éclairage a incandescence et halogène, c'est éteint. Parce que nous avons passé de l'incandescence à l'halogène, de l'halogène au fluide compact, du fluide compact à l'air. Maintenant, l'ère de l'incandescence à l'halogène est passée. Maintenant, nous sommes à l'ère du fluide compact et l'air. L'ère de l'éclairage de A est en essence et à l'origine suspect, c'est éteint. Et si celui de fluorescent perdu, les innovations d'action de l'homme sont moindres. De toute évidence, l'éclairage de O vergénien sera moindre. L'énergie beaucoup plus durable et efficace, moins impactant sur le plan écologique, polyvalent, modulable et intégrable. En chapitre 4, nous allons voir maintenant. Notre travail, la comparaison que nous avons fait entre les lampes plus compactes de notre bâtiment et la lampe LED que nous allons remplacer. Donc, chapitre 4, nous avons étudié l'économie de l'utilisation des lampes LED par rapport aux lampes plus compactes. Nous avons l'introduction. Les lampes LED ont des avantages certes. Mais elles sont énergivores par rapport aux autres lampes LED. Elles présentent un danger pour l'utilisateur, surtout en termes de leur vie, tant sur le plan santé que sur l'environnement. Nous avons le bâtiment ici. Ici présent, c'est le bâtiment mis à l'étude. Et ici, nous avons les luminaires. C'est les luminaires, c'est les lampes pour combattre, à changer. Ici, nous avons la lampe pour combattre en fonctionnement. Ici, nous avons la grue à vis, E27. Maintenant, dans la situation géographique de la maison, la localisation de la maison. Le bâtiment qui fait l'objet de l'étude est allumé dans le capitre de la poste, nombre du capitre. Tout d'abord, nous allons voir les caractéristiques d'une lampe. Pourquoi nous avons préféré choisir une lampe pour le remplacement de notre lampe compacte. Les caractéristiques d'une lampe. Pour choisir une lampe, il faut se référer à sa puissance électrique. Son flux lumineux et son efficacité. Maintenant, nous allons calculer le flux lumineux des lampes plus compactes dans l'installation. L'efficacité lumineuse des lampes plus compactes est généralement égale à 50 lumens par watt. La puissance de la lampe plus compacte de votre installation est de 24 watts. Donc, son flux lumineux est 24 watts par 50 lumens. Pour l'installation, son flux lumineux est égal à 1200 lumens. Maintenant, le choix de la lampe à LED. Le choix de la lampe à LED à utiliser. L'efficacité d'une lampe LED est généralement égale à 120 lumens par watt. La lampe au fluo compact de 24 watts produit un flux de 1200 lumens, tandis que la lampe LED produit 120 lumens par watt. Donc, en appliquant la règle de Moore, la puissance de la lampe LED qui peut produire 1200 lumens est de 10 watts. Donc nous avons préféré choisir une lampe LED de 10 watts. Voici la lampe à l'image. Maintenant, la remarque que nous avons faite, on remarque que le flux produit par 1 watt de lampe LED est toujours supérieur au flux produit
par un ou par les autres types de la puissance élevée à la puissance pour passer d'une mesure en watts à une mesure en kilowatts, il faut simplement diviser, comme nous l'avons dit, qui est égal à. Nous avons la base de nombre en watts par mille. Donc 24 watts par mille, ça donne 0,24 watts. Pour simplifier notre étude, nous avons les lampes les plus utilisées dans la maison. Au total, nous avons 9 ménages dans la maison, dans le bâtiment. Dans la maison. Et par ménage, nous avons une lampe utilisée en moyenne de 6 heures. Puisque dans la maison, les 9 ménages, toutes les heures. Alors, le temps d'utilisation mensuel de cette lampe sera et 30 jours par 6. Donc, T est égal à 180 heures. En application numérique, nous avons 0,024 kW fois 180 heures fois 9 ménages, qui est égal à 38,88 kW. Quant à la consommation de la lampe à utiliser dans le bâtiment, les lampes que nous avons choisies sont des lampes. Comme des lampes LED de 10 watts. 10 watts est égal à 0,01 kW. Maintenant, déterminons l'énergie consommée par ces 9 lampes. Nous avons été par les, sur les mêmes durées. Nous avons choisi une durée de 6 heures avant. Ici, c'est une durée de 180 heures. Donc, en application numérique, nous avons le 0,01 kW fois 180. Nous avons 0,01 kW fois 180 par 9. Donc nous avons 16,2 kW. Conclusion. Selon les résultats du paragraphe précédent, l'énergie consommée par les lampes de combat est de 38,88 kW par mois, tandis que même des lampes LED est de 16,2 kW par mois. Donc, pour un flux lumineux égal, la lampe fluorescente compacte consomme plus du double de la consommation de lampes LED. Si nous remplaçons les 37 lampes qui existent dans le bâtiment par les lampes LED, alors la consommation globale des lampes va connaître une réduction considérable jusqu'à la moitié de l'ancienne consommation. En plusieurs général, d'après nos recherches, il est avéré que les lampes LED, et malgré leur coût, présentent de nombreux avantages par rapport aux autres types de lampes. Donc, nous pouvons remplacer les lampes autres que les LED qui sont dans nos installations par des lampes LED. C'est la et vu l'évolution de la technologie. Des lampes énergivores disparaîtront avec le temps. Chers membres, je l'ai dit, me voici à la fin de mon travail. Riche qui est aussi partant que ça. Félicitations. Vous avez fait un bon travail. Dans l'ensemble, que ce soit le document, la présentation, mais bon, je ne peux pas d'abord pour le commencer, mais je tiens quand même à vous féliciter à la table pour ce. Mais bon, moi j'étais ravi quand j'y vais, quoi.